Salut, salut à tous et à tous. Pour aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va se retrouver sur Call of Duty Modern Warfare 3. Je suis donc en mode studio sur la map Terminal. Je suis avec l'ACR, avec viseur laser et silencieux. Je suis avec un membre de ma team, dont ST en dessous le drapeau. Alors, comme vous avez vu sur le titre, ça va être travers de no cheat mais travers de mur. Comme vous avez dû voir là, j'ai fait en fait un tentative de terrain. Travers de mur. Alors du coup ça va être une petite vidéo, ça va vraiment être pas être long. Je vais la faire vite fait et je vais annoncer en fait les vidéos qui va arriver en fait bientôt. Alors il y a la moitié des personnes sur Call of, mais tout le monde sur Call of a fait obligé un travers de mur. Alors là je vais vous expliquer, là je me suis senti en danger que j'allais me faire tuer, du coup j'ai continué à travers le mur et là j'ai vu qu'il est parti, du coup hop, je suis allé chercher et en fait du coup j'ai arrêté et hop, du coup je m'ai fait buter. Alors les travers de mur, automatiquement ça veut pas dire qu'on a un cheat. Alors les personnes qui sont dans, en fait dans cette conversation et qui voient une personne tirer à travers le mur, regardez au moins s'il a pas no recul, parce qu'en fait j'ai demandé à une personne c'était quoi, du coup moi comme on disait no recul, je savais pas c'était quoi, du coup j'ai demandé. En fait c'est une arme, comme on tire l'arme ne bouge pas. Je comprends pas en fait, c'est soit comme il vise, ça bouge pas ou je sais pas quoi. Bref, voilà. En cheat, je ne connais vraiment pas. J'en ai pas mis sur Call of, pas Battlefield, pas Metal of Honor. Le seul jeu où j'ai mis un cheat, c'est Minecraft. Là, on peut me traiter d'hacker sur Minecraft. Voilà. Alors, dans les travers de mur, on peut les faire sur les murs en béton. Du métal, du verre, on peut faire des travers de murs par exemple sur 4 murs, vraiment les fins les murs comme les clôtures en fait, voilà, pas les murs parce que ça s'arrête à peu près à deux murs je crois. Il y a eu plusieurs tentatives de personnes qui ont montré en fait si on pouvait en fait faire des travers de murs à travers des murs. Si on pouvait en fait tirer à travers le mur, combien de murs on pouvait traverser et tout ça. Bon voilà, moi j'ai pas fait l'expérience. Bref. Alors tous les travers de mur est possible. On peut le faire en sautant, en être allongé, être accroupi, en faisant un 360 comme un sniper. Il peut viser n'importe où, il peut avoir un mec là tout de suite. Le mot qui va sortir c'est hacker. Voilà. Alors les travers de mur, ça veut pas dire qu'on a un cheat, il faut regarder la personne. Parce que moi je suis une victime très touchée par ça. Ça fait 4 ans en fait que je joue à Call of et ça fait 4 ans qu'on me traite de cheater. Dans une partie en fait je fais au moins un travers de mur, soit un peu, vous voyez, comme au tout début que j'ai fait le kill, j'ai essayé de travers de mur, après je suis retourné sur le maître parce que je savais à peu près mais je croyais qu'il allait avancer. Voilà, ça c'est toutes les travers de mur que je fais. Ça veut pas dire qu'on cheat. Voilà, alors les personnes qui vont regarder ces vidéos et qui cheatent des personnes parce qu'ils tirent à travers les murs, là je peux dire oui, là vous pouvez les... Là, non, désolé. Là, les personnes qui tirent à travers le mur, regardez au moins la kickcam, regardez si elle n'a pas aimbot et non recul, là vous pouvez dire oui, il cheat. Mais moi je sais que je suis un joueur super, j'ai perdu le mot, je suis désolé, je suis un joueur pas mal en niveau jeu. L'autre fois c'était un 76 tué 3 fois ou 2 fois, je me rappelle plus, je crois c'était même 4 fois, non 3 fois. Là j'avais toute l'équipe était sur moi, c'est l'équipe inverse était complètement sur moi et j'avais même l'équipe avec moi qui était en train de dire ouais tu hack, fais sans ton hack, tu sais même pas jouer, ou sinon c'était un gamin de 12 ans 13 ans et c'est automatiquement tu cheat. Ça, comme vous entendez ça, c'est pas vraiment gentil. Ou sinon, c'est un truc par rapport à moi, c'est très. Je suis très touché par ça. Même des personnes de 20 ans, 40 ans, 8 ans, 15 ans, ils ont ça. C'est des difficultés, moi je l'avoue. Ça peut être des difficultés pour confondre des lettres, comme le B ou B. Voilà, moi c'était ça avant. Sinon, c'est d'avoir du mal à lire ou à avoir du mal à écrire. Maintenant à lire, il n'y a plus de problème, je lis comme tout le monde maintenant, parce qu'avant c'était vraiment la cata. Là je pouvais dire que je savais pas en fait vraiment très bien lire, je mettais surtout du temps. Maintenant je sais super lire, je lis une phrase comme tout le monde, mais le seul petit défaut encore que j'ai c'est l'écriture, soit j'oublie des lecs,
des lettres, désolé, encore un mauvais mot. J'oublie des lettres, ou par exemple le mot, un mot que j'ai dit il n'y a pas longtemps, ta gueule, désolé. Le mot ta gueule, moi c'est j'ai, ça va être un comme ça. Ah, on peut écrire. Ah, bah non, ouais, voilà, on comme ça. Parce que en fait c'est comme ça normalement qui s'écrit, je crois. Enfin, je sais pas, on m'a dit qu'il écrit comme ça. Du coup voilà, moi je l'écris automatiquement comme ça. Voilà. C'est comme ça que je l'écris. Par rapport à ça, on s'est moqué de ma gueule. Bon bref, si ça les amuse, ça c'est sûr, mais ils vont avoir plusieurs ennemis s'il y a ça. Ça aussi, c'est le mon défaut en fait. Qui m'énerve. Alors là j'avais fait en fait un complètement fil de mur. J'ai dit putain, je vais peut-être en avoir un, je vais peut-être en avoir un. Non, j'en ai pas eu. Bon, voilà. Alors là, du coup, là je l'avais vu sur la carte, hein, bien sûr. Hein, parce qu'il avait tiré pour tirer sur un autre ennemi. Là j'avais fait une double de 4 ou 5. Hop, là je me lève, il est là, je le tue. Là j'avais placé. Et j'en ai tué un, je m'ai baissé, tout ça. J'ai pas fait de travers de mur sur ce coup là. De toute façon je crois pas que je pourrais faire un pif. Et là bon bah là j'ai tué un autre mec. Je suis là, mais en fait je viens juste de voir qu'il y avait eu le mec à copier. Voilà, parce que ça fait plusieurs tentatives que je fais pour cette vidéo, parce que je l'avais raté et j'avais parlé trop de beaucoup de choses. Tout ça. Alors je suis donc avec la CR comme une arme la plupart des personnes utilisent. La plupart des personnes tirent à travers les murs avec ça. Là j'avais essayé de tirer à travers une... Mais j'avais pas réussi. J'ai aussi tiré à travers ce mur là sur une autre partie. Là je viens de faire prendre lance-roquette. Par exemple, une personne, t'arrives pas à avoir un mec qui va faire un travers de mur. Parce qu'il va avoir le point ou genre comme ça. Là je me fais tuer. C'est pour ça, il faut mieux l'avouer qu'il y a des personnes qui font des travers de mur. Par exemple, moi si je vois qu'une personne qui n'a pas de no recul et que. Il a tiré vraiment au pif, de toute façon on peut savoir cheater, voilà. Là c'est voilà. Alors je vais vous remontrer un peu le petit truc. Alors je suis venu en arrière de la vidéo. Vous allez voir. Alors c'est très lol. Alors ce mec, je sais pas, il a vu quoi. Alors regardez, je vois sa tête, il me voit. Cheater. Ouais. Je suis en fait derrière une dame. Une dame super grosse allongée et moi je suis derrière. Je tire à travers la dame, je suis désolé pour ça, mais c'est parce qu'en fait au début c'était un exemple de bidon, mais ça sert à rien de faire un exemple. Il va me traiter de cheater même s'il me voit. Voilà. Complètement con. Celui-là. Alors, il m'a traité trois fois d'hacker. Une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Alors la troisième fois, c'était le dernier où il fait vraiment un truc abusé. vous allez voir dans la vidéo, parce que là, en plus j'ai pas beaucoup de choses à dire, du coup c'est pas trop facile. Du coup j'essaie de faire mon maximum, là j'ai tiré à travers en plus une ville, du coup c'est possible. Là j'ai fait en plus. Là j'ai fait demi-tour. Là je mets allongé, là vous allez voir. J'essaie de tirer, j'ai rechargé. Là j'ai eu. Je crois que c'est. Ouais, assassin. Assassin, du coup j'en ai eu un à travers le mur. Par contre c'est plusieurs balles. J'ai pas de cheat, je tire à travers le mur. Je l'avoue, ça je vais pas le cacher, je tiens pratiquement une fois sur une partie à travers les murs, mais je n'ai pas de cheat. Je suis un joueur qui joue super pas mal, même je peux me mettre sur PC un bon joueur. Voilà, je dis pas que je suis le meilleur, j'ai pas vu mieux encore. C'est pour l'instant, je joue avec des personnes qui ont plus de 40 ans, du coup c'est pas vraiment génial, ou des personnes qui jouent peut-être à Battle, Minecraft tout le temps. Moi j'essaye de rester un peu l'habitude et j'ai toujours en fait une réaction le soir. Comme je quitte Call of, il y a 2 ans, il y a 1 an, je faisais tout le temps la même manie pour savoir un truc. Et cette manie, je crois que ça m'a vachement aidé. C'était vraiment comme un tic. Alors là vous allez voir un truc, regardez. Alors là en fait j'avais tiré à travers le mur de la plaque en fait du. Voilà. Vous allez voir ici les trucs noirs anti the best. J'ai tiré en fait à travers ça parce que ce mec campait pas mal. Alors là par contre là j'étais vachement fatigué, j'avais les yeux piqués, j'ai eu du mal à jouer.
Là, j'ai toujours les jeux typiques, ça, voilà. Du coup, j'attends en fait le tir. Alors là, un mec, là, il peut traiter un cheater comme si je fais ça. Bon, il vise avant de voir la personne. C'est automatiquement, oui, on va le faire. C'est pas que, comment dire. Même si une personne a un cheat ou pas, la personne qui a un cheat va le faire. Mais automatiquement il va savoir, il va viser la tête. Il va se mettre en expérience. Alors là voilà, c'est ce qu'il a. Regardez, j'ai tiré à travers en fait à travers la plaque. Et vous allez voir. Bon là j'avoue, j'avais abusé. Et là j'ai encore continué à travers. Et cheater OMG. Voilà. Alors cette vidéo était conseillée plutôt pour en fait le travers de mur que pour dire que si on tire à travers le mur, il n'y a pas de détection de cheat. C'est on joue. Voilà. Alors là, il était en train de dire ST stop cheat ou or is black you. Alors je sais pas ça veut dire quoi. Alors moi j'étais en train d'écrire je ne cheat pas, mais en fait j'avais dit merde, c'est un anglais. Du coup j'ai mis no cheat. Alors j'ai mis du temps à marquer no cheat. Hein. No hack, désolé. Mais en fait c'est parce que j'étais en train de passer tout ça. Voilà. Bref. Du coup voilà. Alors c'est en fait la personne. Il peut avoir une personne devant vous qui peut mieux savoir jouer. Moi, comme je rentre dans une partie, je fais un score énorme. Si vous voulez voir mes captures, vous pouvez aller sur mon profil. Vous allez voir les scores que je fais. Alors, je ne suis pas un cheater, je suis un bon joueur. Si vous voulez jouer avec moi, il n'y a pas de problème, je vous accepte. Je ne dis pas que je suis en fait le meilleur du monde. Je sais juste que au moins je fais des scores très beaux. Je monte mes levels vite fait. Par exemple, en 4 jours j'avais monté un prestige. J'ai pas fait que de travers de mur, bien sûr. Du coup voilà, je suis resté dans un truc normal. Voilà, j'ai joué, j'ai fait des travers de mur de temps en temps, comme je les voyais, soit sur la carte, ou sinon c'était vraiment à travers de mur où je disais bon bah il y en a peut-être un. Voilà. Comme on est en stress, on se baisse et on tire à travers le mur. C'est automatique, tout le monde l'a fait, ça c'est sûr, voilà. Alors du coup, je vous dis à plus à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un j'aime, mettez un commentaire pour dire le truc que vous en pensez. Allez sur mon Facebook et j'espère que cette vidéo vous aura plu du fond du cœur, parce que cette vidéo est en fait conseillée en fait pour déjà mes causes de difficultés qu'on m'a insulté et aussi pour les façons que je joue et qu'on me traite de hacker et moins isolé les gens. Voilà. Moi c'est le plus, ça fait 4 ans que je subis ça, du coup voilà. Alors je suis un peu fatigué, du coup je vais vous dire bonne nuit pour ceux-là qui vont regarder cette vidéo vers les 3h, 4h du matin. Je vous dis un bonne nuit, profitez de votre peu de vacances pour ceux-là qui ont 15 ans. Et bonne rentrée à tous et aussi bon boulot. Et voilà, allez, à plus à tous, dormez bien, merci d'avoir regardé la vidéo. Et un petit j'aime s'il vous plaît, ça me ferait un grand petit coup. Ok, voilà. À plus à tous et mettez un peu de chien.